Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais déjà fait là. C'était quoi? Il y a 2-3 semaines de cela où je parlais justement des hackers qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like, cela me fera extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé il y a 2-3 semaines, mais comment dire, c'est vrai que ça m'intéresse toujours de voir comment ça se passe sur les autres plateformes, etc. Et là, je suis sur la chaîne d'un YouTuber américain qui adore montrer ça, etc. Donc c'est le numéro 1 là-dessus, qu'on soit bien d'accord. Green Goblin en a fait une vidéo très récemment, j'en ai déjà parlé en plus de ce même YouTuber, donc les personnes qui vont dire plagiat, plagiat, plagiat. Lorsque je l'avais fait déjà 3 semaines avant Green Goblin. Donc, non, ce n'est pas du plagiat. Tout simplement, c'est que, voilà, franchement, j'aime bien montrer ce genre de choses, etc. de temps en temps, même si c'est au début, il faut quand même le dire, au début, c'était inspiré de Monsieur Apex Venom. Bon, on va quand même montrer tout ça très rapidement. Tac. Et on va quand même regarder tout ça maintenant. Alors, on fait ça comme ça. Alors, déjà, il est sur. Oh putain, ça commence mal. Il est déjà sur Redwood. Ok, d'accord. Bon, tu commences full headshot. Ok, bon. Génial. Il a déjà full strike. Ok. Bon, alors là, franchement, c'est number one, mon pote. C'est le pire. Regarde, tu tires à côté et ça entre. Oh là là. Oh là là. Et c'est sur Play 3. Bon, ça peut arriver que sur Play 3, j'ai envie de dire, parce que maintenant, la Play 3, elle est trop facile à craquer. Ah, écoute, j'ai pas compris. T'as tiré à côté. Il y a quand même un ou deux hits qui sont pas entrés. Bon, tu vas me dire, c'est peut-être BO3. Ok, là, tous les hits sont entrés. Ok, mais vous voyez qu'il a vraiment, on va dire, une sorte de périmètre. Ça veut dire que dès qu'il tire, même si c'est il est derrière lui, ça entre pas. Il faut vraiment qu'il soit dans son champ de vision, quoi. Regarde, dès qu'il est dans son champ de vision, il peut voir. Et en plus, c'est assez drôle parce que tu peux voir carrément toute la structure. Je vais vous montrer avant qu'il vienne. Avant qu'il vienne, tu vois carrément toute la structure du mec. Vraiment, c'est-à-dire tu sais où il est, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas juste un point rouge, tu vois. C'est vraiment carrément tout le truc. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Là, par contre, j'ai pas compris pourquoi toutes les balles ne sont pas entrées. Vous voyez, des fois, c'est un peu chelou. Regarde, c'est quand même un peu chelou. Là, il y a des hit marks. Des fois, il n'y en a pas. Et là, regardez, il tire, il est dans son champ de vision. Hein. Il est dans son champ de vision. Il tire, ça entre pas. Et tout d'un coup, ça entre. Donc, est-ce qu'il doit être à une certaine distance pour tuer quelqu'un? C'est un peu bizarre. Il tire en fait n'importe où. Il s'en fout, c'est dedans, quoi. J'ai pas remarqué encore, mais regardez les munitions. Hein. J'avais pas checké ça encore. Il a munitions illimitées. 1000 munitions sur un manoir. Oh, ça serait tellement bien. Pas besoin de recharger. Enfin, quoi que je dis ça, le premier réflexe que je vais faire, c'est quand même recharger, quoi. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il bug en même temps. Ou tout simplement c'est. Oh, oh non, mais même mec, un hack, ça par contre, c'est un peu chaud quand même, hein, les balles que t'as ratées. Bon, par contre, là, il a fait une quad feed. 5, 6 feed. Oh là 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 là. Bon, là, il est en partie perso. Ça se remarque parce que sinon, les mecs seraient pas aussi débiles. Mais oh là là. À la dingo, mon pote. Oh là 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 là. Il joue avec fonceur, je crois. Ou sinon, c'est avec le hack de nouveau. Mais oh là 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 là. Par contre, vous avez vu avec le hack aussi, ça j'avais pas checké, mais il a pas de spécialiste. Enfin, il a le spécialiste, mais il se recharge jamais. T'imagines? Oh là là, mais ça doit être la misère de jouer sur PS3. Je sais que la dernière fois, j'avais vu dans les commentaires des gens me dire « Ouais, mais c'est pas tous comme ça sur PS3, gros, moi je suis tombé de temps en temps, etc. » Enfin, de temps en temps, rarement dessus. Là, je fais « Ok, mais t'imagines que déjà jouer BO3, PS3, vous avez du cran, franchement, je vous le dis tout de suite, vous avez du cran. Parce que c'est horrible, on dirait un Minecraft le machin, franchement. Il faut aussi se dire ce qu'il y a, tu vois. Mais bon, après, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, je peux vraiment comprendre. Mais c'est quand même assez assez chaud, quoi. Moi, je pourrais pas, quoi. Je pourrais vraiment pas. Là, par contre, vous avez pu voir le nombre de balles qu'il a mis, ça l'a pas tué. C'est un peu bizarre. Regarde, regardez, il tire? What the fuck? Bon, bon, t'as ta nucléaire, t'es tout content. Regarde, il se fait tellement chier. Je sais pas si tu dois plus te faire chier à tirer ou à faire chier le montage vidéo après, quand même. Ça quand même, c'est la question du jour. Moi, je pense que ça serait quand même le montage. Hein. Ah, parce que moi, la partie... La partie, tu bouges pas, quoi. T'allumes. Tu fais que ça. Par contre, c'est un peu chelou, là. Ok. Bah, voilà, c'est le number one hack, quoi. Tu peux pas faire pire que ça. Tu peux pas, là c'est impossible. Regarde, il est à combien de kills, mon pote. Regarde, il est à combien de kills.
Il a 200! Mais t'imagines, ça doit être quoi ta journée que de faire ça toute ta journée par contre? Ça je comprendrai jamais. Ça je comprendrai jamais. Par exemple, je pourrais pas passer une partie comme ça. Je me ferais chier. Encore en spawn trap, ça peut être drôle parce que voilà, c'est du multi et tout. Tu peux le faire une fois de temps en temps, ça c'est marrant. Mais là. Ouais, je me ferais chier quoi. Je sais pas, amuse-toi à trouver des prochaines armes qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 3, gros. Achète-toi un PC, je sais pas, c'est plus intéressant. Comme ça, en même temps, tu nous rapportes de la bonne news aussi. C'est quoi ça? What the fuck? What? C'est quoi ça? Il tue avec quoi? What the fuck? Attends, c'est pas une AK-47 ça? C'est le logo AK-47? Wow, c'est trop chelou! Oh, mais c'est quoi ça? What the fuck? Ah non, on peut dire, c'est le numéro 1 niveau hack. Franchement, on peut se dire, c'est vraiment le numéro 1 niveau hack. On va voir s'il y en a d'autres, parce que je pense qu'il doit en avoir quand même pas mal. Mbot Trickshot, bon ça je pense qu'on en a déjà vu. Allez, comme ça, on met aussi un peu autre chose. Vas-y, let's go là-dessus. Alors là cette fois-ci, bon cette fois-ci c'est sur Call of Duty Ghost. Bon le mec il fait tout, hein. Dès que t'es sur Play 3 tu peux absolument tout faire. Mais là carrément tu vois t'as carrément le rectangle où il faut tirer. C'est quand même bizarre. C'est quand même, heureusement, ouais, mais franchement, et ça je dis heureusement, que quand les personnes ont le aimbot là ça se voit tu vois genre. T'imagines ça aurait été, on aurait été dans la perf ou carrément dans le monde du DE. Et enfin dans le monde du DE, non la perf et le monde du sniping, excusez-moi, c'est quand même assez, ça aurait été vraiment très bizarre, franchement. T'imagines, t'aurais vu déjà des mecs sortir des trips et tout, ils te disaient ouais je suis le meilleur etc. Et en fait tu découvres que le mec il a un M-bot quoi. Mais tu vois, parce qu'il y a des personnes sur BO2 qui avaient des M-bots, hein, qui trichaient et tout etc. Mais ça se voyait pas vraiment en fait, et c'est à force que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient des bots etc. que tu te rendais compte que forcément tu l'avais. Mais sur le coup les gens ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas savoir. Donc heureusement on va dire que ça a assez évolué, enfin ça a assez évolué, il y en a certains qui continuent toujours sur BO2 en multi-équipe etc. Enfin bref, si tu connais les bails, moi malheureusement je connais étant donné que quand j'étais leader OMW, oui parce qu'il y a encore des gens qui me posent la question, la OMW et tout, et étant donné que j'étais leader et je suis fondateur, hein, si la OMW existe, et etc. Bah c'est un peu grâce à moi, on va pas se le cacher. Bah justement quand je voulais recruter des anciens joueurs pour faire des anciens codes, un peu de rajouter un peu de temps en temps du BO2, du MW3 etc. Bah justement j'avais des potes qui disaient ouais ne le recrute pas etc. Regarde le gameplay, et je disais ouais pour moi il a rien, il faisait non regarde il a nos reculs etc etc. Et en fait des fois c'est tellement discret quand tu connais pas, franchement, quand tu connais pas, ça te paraît tellement, on va dire, t'as l'impression que le mec est bon, mais en fait, non, c'est vraiment du cheat, donc c'est vraiment bien, on va dire, que les choses ont plutôt assez évolué là-dessus, et qu'on n'ait pas ça sur PlayStation 4 pour le moment. Ça, c'est vraiment cool, et j'espère que ça va jamais arriver, mais vraiment, parce que c'est un moyen de tout détruire des anciens Call of Duty, comme BO2, comme MW3, même BO1, la dernière fois, je voulais jouer sur BO1, j'avais vu un ou deux qui étaient hack. Bon, heureusement, encore sur BO1, il est pas, c'est pas trop fréquent. Mais MW3 et BO2, c'est quand même, on va dire, là où il y a le plus de hackers niveau code. Et MW2, hein, bien sûr, MW2, j'ai oublié d'en parler, mais c'est large pas mieux. Hein, là-dessus, qu'on soit bien d'accord. Bon, le mec, il se fait plaisir. Bon bah écoute, si tu t'amuses comme ça. Hein. Chacun sa façon de s'amuser, on dirait. Hein. Mais par contre, c'est un peu bizarre, c'est que quand il voit la personne, c'est flou. Regardez, c'est un peu flou des fois. Alors, je sais pas si c'est de nouveau l'histoire du hack, etc. Cette fois-ci, on voit quand même qu'il a le spécialiste en bas à droite. Avant, il ne l'avait pas. Donc, je sais pas si c'est de nouveau des commandes que tu dois rajouter au fur et à mesure. Mais c'est quand même, on va dire, assez... Bon, là c'est bon, là, c'est ok. C'est bon. Là, on a vu la différence. Là. C'est... Dès qu'il veut, c'est bon, là, il est chaud. Là. Enfin, le logiciel est chaud, on va dire ça comme ça. Parce que la personne en soi n'est pas... vraiment quelqu'un d'extrêmement chaud, mais s'il s'amuse comme ça sur Play 3, bah écoute, il a du courage de continuer à jouer sur BO3 PS3, hein, c'est rien de nouveau de méchant, vous avez compris, on voit totalement une différence entre BO3 PS3 et BO3 PS4. Ok, bon bah il est content, il a fait son petit trickshot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah vas-y, fais la triple feed, non! Il aurait dû faire triple feed au snipe au moins. Oh là là, franchement, c'est n'importe quoi. Enfin bref, les gens, on va rester
là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires là-dessus, sur les histoires de hack, etc. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Enfin bref, les gens, c'était Loctet 2. Peace out.